Bonjour amis, c'est serviteur pasteur Abel Pierre. Moi retrouvé moi côté n'a parlé là Cité Soleil. Cité Soleil côté youn centre chrétien Mont des Oliviers nou yoyé, youn dans l'église qui fait partie de mission yé. L'église ça c'est youn dans l'église qui pi ancien dans quartier ça. C'est une église qui fondée dans l'année 1968. Moi pas que j'en connais si m'était ka fait. L'année 1968, l'église a établi dans la communauté ça. C'était un groupe serviteur, bon Dieu t'est relé pour fonder travail ça. Parmi serviteurs ça yo, t'es gagné révérend Pierre Vaillant et t'es gagné révérend Gessner Pierre qui c'est papa. Nous songe le m'a levé jeune petit garçon, l'église ça, il t'est gagné là dans l'école, il t'est gagné là dans la cantine scolaire et il t'est gagné centre alphabétisation. C'est un l'église qui était au service de communauté. Toute activité dans la communauté était hein, tournée autour de l'église. Là. Mais depuis après tremblement de terre 2010, là, l'église en trouvait dans une situation difficile. Moi, c'est un monde qui a commencé à travailler ça. Le moins de rendre compte, l'église est dans une condition difficile. Il était gagné une dalle sous lit. Moi, j'étais obligé de faire mettre une dalle à la terre dans l'esprit que dans pas longtemps, on a reconstruit. M'bral banou yon ti tour pour nous ka gagnon l'idée de état l'église là. Et m'bral di nou ki sa m'a attendre de nous parce que ou sonje m'dap di ou dans début année nous voulons faire lumière l'espoir rebriller dans différentes communautés côté nous engagé. Et pour nous faire ça, c'est sou ou moins compter. M'a fowe espace là et m'a expliqué ki sa m'ta remen ou aider nous faire pendant nous rentrer dans l'année 2024 là. Suivez avec moi. Espace ça, j'en m'a expliqué au là, l'église ali entre rue Volsi et rue Sanon. On va aller avec ou en dedans pour kawe qui qualité travail qui commence à faire et qui qualité travail qui rete pour faire. Vous mettez suivre avec moi. Travail ça a commencé depuis quelques années. Nous étions obligés de mettre dans la terre parce qu'il était fissuré après le tremblement de terre là. Dans l'idée que, dans pas longtemps, nous avons mis les mains là-dedans. Nous voulions éviter danger. On connaît, diriger c'est prévoir. Donc nous avons mis dans la terre. Mais jusqu'à présent, travail là, nous pouvons mettre les mains là-dedans. Et ma foi, ça nous arrive fait avec grâce, bon Dieu. Et Jean-Luc Awel sont l'église qui est toujours très active. C'est un espace ça, bien aimé ou adoré. Là, nous réunis le dimanche matin, il y a environ 150 personnes qui réunis là pour adorer, mais quelques pasteurs sont là, ils vont aller et montrer nous le travail qui commence à faire. Si nous regardons dans le mur, ça, nous commençons à faire contour périmètre l'église. La construction commence à faire. Cependant, nous avons besoin de reprendre le travail. Là. Venez avec moi, nous allons montrer nous, côté nous réunis, là, ça c'est espace non aménagé spécialement pour Timonio. Et le dimanche matin, en moyenne, il y a 60 Timon qui réunissent dans l'espace ça. Là, ils réunissent, ils participent dans l'école du dimanche, ils reçoivent un enseignement chrétien, ils participent dans le service de louange et d'adoration. Et chaque dimanche, nous avons un plat chaud, de façon pour nous encourager. Donc, on n'est pas toujours facile. Et c'est peut-être le meilleur plat à manger pendant toute semaine. C'est ça que le programme, ça, son programme qui est très, très positif. Et il y a un pile de monde qui vient là-dedans. Donc, espace ça, son espace, nous fait construire. Pour Timonio, et il fait partie justement de travail nous voulons faire, une façon pour nous mettre top ça camper encore.
Mais ça moi besoin. Non mais moi viens demander aide. Moi viens demander aide pour aider nous recamper monument ça. Et laissez-moi dire ça a une valeur personnelle pour moi. C'est dans le quartier ça me grandit. C'est l'église ça qui aide me grandir dans la foi. C'est là mon prend enseignement, c'est là me fait premier pas dans le ministère. Donc vous comprendre pour moi ça a une valeur personnelle, une charge émotionnelle. Moi viens demander aide pour aider nous reconstruire travail ça. Moi connais li pa pou bagay ki facile. Mais moi fais bon Dieu confiance parce que moi connais tout ça qui existait c'est pour bon Dieu. Et bon Dieu qui a utilisé moun tankou pour aider nous recamper travail ça. L'église en li là pour servir toute communauté. C'est un monument espérance dans communauté ça. Moi compte sur aide. Moi compte sur prière. Moi compte sur support financier. Encore une fois, c'est youn dans l'église qui plus ancien qui gagne dans communauté an, et nous souhaiter ouais avec concours Seigneur a travail ça recamper encore pour nous continuer mission que bon Dieu t'a confié à l'église. Souvlez des noms ou qu'à contacter nous directement en bas page ça ou qu'à faire par zèle ou qu'à faire par mon cash n'a pas content qu'on est ou même ou mettez main pour travail communauté ça aller vers l'avant. Que le Seigneur bénisse, pas oublier. Nous proclamons une année d'espérance. N'ap l'humain, lumière, espoir, dans la communauté, nous y une après l'autre. Et nous autres chrétiens, nous gagnons un travail fondamental pour nous faire dans ce sens. C'est ça, bon Dieu, relez-nous. Pour nous, c'est lumière, et pour lumière, l'espoir, lumière, l'espérance. Jaillit, côté la vie t'assemblée, Kaba. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. Merci déjà de ce que vous avez aidé nous pour tes projets, ça. Pour devenir une réalité.